Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 10e épisode de GTA 3. Alors on va retenter la mission d'Asuka là où on s'était très bêtement fait attraper par la police alors qu'on était en train de tuer quelques mafiosos au fusil sniper. Alors cette fois on va faire un petit peu plus attention. Du coup il faudra également... Attendez. La mission est menottée. Non, ça c'était moi la dernière fois menottée. La mission est minutée. Et donc, vu que je m'étais fait attraper, je n'ai plus d'armes. Donc encore une fois, on va à Munition. En tout cas, il se fait pas mal d'argent avec nous. Hein. Il doit pas être bien mécontent. Hop, la porte c'est par là. Et puis, ouais non, on va pouvoir aller... Allez chez Asuka, faire la mission. Allez hop. Asuka, voilà, c'est parti. Donc on va faire un peu plus. Oh, on va faire un peu plus d'attention cette fois. Et on va essayer de voir un petit peu aussi s'il n'y aurait pas un meilleur spot. Pour viser les avoir. Oui, donc ça on l'a déjà vu, c'est bon. On y va directement. On est motivé. J'espère que je vais réitérer l'exploit de la grenade. Ça serait pratique. Hop, ni une ni deux, on y va. Non, pas trop rapide, hein, puisque je suis un peu un danger public quand même. Légèrement. Ici on va moins galérer. On sait où ils sont. Hop hop, c'est parti. Bien. Allez, descend. Tape dans le dos. Ah, l'autre il est caché dans le buisson. Avec un peu de chance. C'est bon. Alors ça c'est fait. Allons-y. Les prochains sont par là-bas. C'est vraiment pratique ces grandes zones. Je crois que j'ai déjà dit, mais... Alors là, ça va être le camion. Prions un petit peu. Et j'en vois deux. Ah, celui-là me paraît pas. Oh zut! Allez, c'est ma dernière. Voilà, parfait. Ah et oh oh! Méchant taxi! Putain, j'ai cru qu'il allait me flinguer. Ça aurait été vraiment la poisse. Bon, on a pile poil, hein, c'était ma dernière grenade. On a quand même eu du bol. Alors, hop, on a 4 minutes. Alors, ça devrait le faire quand même. Casino. Oh, 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 je viens de voir ça. À mon avis, ça devrait être pas mal. Est-ce que... Oh, oui. Police. Non, il y a pas la police. Qu'est-ce que tu racontes? Take him out. Mais faut flipper, c'est bête. Ce serait bête que je me fasse avoir la même manière. Est-ce que je vais avoir... Ouais. On peut remonter encore. 3 minutes, ouais, oh, ça va être bon, ça va se faire tout seul. Je sais pas où est-ce qu'il est le flic là. Allez. Vite fait. Tu peux chercher en bas, hein, je suis là. Yeah. Oh, un hélico. C'est une très mauvaise idée. Ah, on peut pas le prendre. Tant mieux.
tombe pas des escaliers comme ça. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ah c'était vraiment bête la dernière fois de se faire avoir comme ça. En plus j'étais justement en train d'y penser. Alors, retournons voir Asuka. Qu'est-ce qu'elle a lui proposé comme mission? C'était pas du tout par là. Ah, c'est pas grave. Ouais. Super. Je vais pouvoir sauter là. No way. Ah, j'ai une idée. Allez, saute sur la voiture. Bon, allez, t'as peur de la voiture ou quoi? Direction Asuka. Bon, au moins on s'est rattrapé là sur la mission. Porter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Oh non. Oh non, pas un bateau. Mais j'aurais dû faire l'émission Casino de Kenji là. Oh, je suis dégoûté. Enfin bon, de toute façon, il faudra les faire, donc il est là-bas le bateau. Il faudra les faire de toute manière, donc autant y passer maintenant. Ah, il y a de la vie là. Okay. Mais je déteste ces missions. Bon, on va pas se prendre la tête. On va prendre le bateau là. Ah, mais c'est pas maniable, mais rien. Et le pire, c'est que c'est un coup à tomber dans la flotte parce que il sait pas nager. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Et bon, qu'on termine la mission, ça va le faire. C'était par là-bas, je crois. Ouais. Je pense que ça aurait suffi, mais non, faut le tuer. On a vu là, il a suffisamment flippé pour le dégoûter à vie. Allez. C'est quoi ce pistolet? J'aime pas avec quoi il tire d'ailleurs. Ça fait pas de dégâts. Ça s'arrête là. On peut pas tirer en continu. Hop là, ça s'arrête. Voilà. Tiens. Bon, maintenant on passe tout demi-tour.
Putain, en plus il fait nuit, on voit rien. Bon, on s'en est bien sorti, c'était pas trop difficile. Au moins ça s'est fait. J'espère qu'on va pas retourner en bateau bientôt. Je préfère éviter. Non, vraiment, je déteste ces phases de conduite sur l'eau. Hein. Comme je disais la dernière fois, c'était une idée intéressante, mais c'est sûr que c'est plus ou moins réaliste. Oh, je sais plus trop où aller. À la rage. Voilà. J'ai la hantise de tomber dans l'eau à chaque fois, de crever pour rien. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrivait tout le temps quand je jouais. Ça m'agaçait au plus haut point. Alors, on va trouver une petite voiture sympa. J'ai dit sympa. D'accord, il y en a qui roulent aussi bien que moi ici. Bon. Ça, c'est pourri. Mais c'est les pauvres ici ou quoi? Bon, voilà. Putain, on est tombé chez les pauvres. Horrible cette voiture. Je sais même pas où on est du coup. Et on va pas retourner à la première île. Allez. On va retourner. Putain, mais ils me tirent tous, ils canardent tous comme à la fin là. C'est pas bientôt fini. Allez, on va retourner voir Asuka. On va continuer. On est sur une bonne voie pour le moment. Allez. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Oh, je veux même pas savoir ce qu'il faut. You met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Allez, un petit peu de conduite, hein. Tout le monde sait que c'est ma spécialité. Oh là là. Allez. Heureusement qu'il y a une voiture relativement rapide ici, sinon d'accord, ça commence bien. Faut pas regarder la map et conduire en même temps, c'est compliqué. Ça aurait pu intégrer un petit GPS là, me dire tourne à gauche, tourne à droite. Alors on a 3 minutes pour se rendre tout là-bas. Ok. Ouais bah dégage aussi. Oh, il va me balader combien de temps? Le petit coquin. Allez, parti. Bon, les mecs ils traversent sans regarder comme des oufs. Après, ils s'étonnent qu'on leur rentre dedans. Il y a un sacré brouilleur. Hein. La vache. Je vois absolument rien. Déconner.
Il est au-dessus, je parie. C'est bon, j'ai le temps, mais quand même. C'est un coup de se faire avoir pour rien. No way. Putain. Ouf. J'ai eu chaud. Ok. Cinquante secondes. D'accord. La loose, ça serait que le temps il s'arrête juste à côté. Ouais, allez. Putain. Vas-y. Ah ouais, mais je me disais que je vais pas avoir assez de temps. Oui, oh, et. Bon. Je te permets pas déjà. Faire ça du coup. Je sais même pas ce que c'est. This is King Court, me yada posse could do with them rude boy driver and people is saying you the man. On vient de me prouver le contraire, mais c'est pas grave. I've got been watching checkpoints all over Staten. First driver to a checkpoint gets the bling bling, then it's on to the next stop. If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. J'aurais peut-être dû prendre une voiture. Oh, allez, c'est pas grave. Oh, bouge pas toi. Salut, ça va? Dégage. Oh, oh, oh. Voilà qui va être fort agréable. Bon, je vais pas bien, on va pas l'avoir un taxe fort longtemps, mais... Yeah, la classe. Alors... Ouais, je suis prêt. Allez, on y va. Ok. J'ai pas réussi à faire un super départ comme dans Mario Kart, c'est pas grave. Checkpoint. 1 sur 15. Donc le but du jeu c'est que j'en ai plus que les autres. Donc 8. Ah, fais gaffe. Ça va t'arriver des problèmes. Allez hop. 2-2. En plus ils sont mis un peu n'importe où. Ah c'est marrant, c'est une bonne idée. Pas vraiment une course en réalité. Oh bah celui-là je l'aurais pas. Hein. Oh la blague. Putain, j'aurais été moins rapide, j'aurais eu celui-là. Dégagé, ça n'a pas. Oh là je l'ai poussé dedans, dégoûté. Ah, celui-là il est pour moi. Hop là. Ah, derrière. Oh non, ils vont s'enchaîner les bons là.
Et chanceux. Ouais, dégage. Putain, moi, chaque fois que j'en récupère, il faut que je fasse demi-tour. Allez, hein, juste devant, juste après. Fuck. J'ai pas pris le meilleur chemin. Tant pis. Oh la loose total. L'autre côté. Ah, j'ai pas de bol. Ah, je suis parti l'autre bout de la ville quand même. Oh la vache. Ouais, bon. On va se faire avoir aussi sur celui-là. Tant pis. On va peut-être récupérer au moins celui-là. Il y a intérêt. Sinon, on va commencer à être un peu à la ramasse. Allez, bougez. On y va. Allez hop. 5. De l'autre côté, évidemment. Au moins 3 pour s'assurer la victoire. Ah ouais, ça va. Allez, vas-y. Hop là. On est bien content d'avoir eu cette voiture. On est parti pour la suite. On va peut-être réussir à le récupérer. Non, on a loupé, c'est pas grave. Le prochain. Ah. Oh, oh, oh non. J'espère qu'on peut changer de voiture en cours de course. Ouais, ça a l'air. Oh, le vol plané. Oh la folie. Allez, merde. L'autre s'est mangé une voiture. Allez, on est seul sur celui-ci. Ah bah c'est celui-là du départ, je sens. Mission réussie, puis pile poil. Eh ben écoutez. Ce fut une sacrée course, hein. On aura vu un truc exceptionnel, le vol plané était vraiment excellent. On a eu de la chance, on s'en est bien sorti, c'est cool. Oh, attention, les flics. Alors les flics ils réagissent pas, je fais un gros tonneau, mais c'est pas grave. Et ben voilà, qui conclut un bon épisode. Trois réussites. Non, je dis peut-être une bêtise. Non, on a loupé quelque chose. Alors je sais même plus ce que je fais. Enfin bon, c'est pas bien important, on a quand même réussi quelques missions, c'est le plus important. Et donc du coup, on va se quitter là, voilà, sur ce 10e épisode de GTA. Donc on avance, petit à petit on avance. Ok, et bien j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 11e épisode déjà. Merci encore à vous tous, au revoir.